bass low. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 4 de la saison 2 des couleurs classes. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Donc on peut déjà apercevoir les deux couleurs que je vais vous présenter sur la vidéo. Donc il y a une couleur qui a été trouvée par Revenge et une couleur qui a été trouvée par moi-même. Donc la couleur qui a été trouvée par moi-même est celle que je possède sur ma voiture. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pouvez penser que ce n'est que du orange et du violet, mais vous allez voir que quand on va faire la couleur, c'est vraiment autre chose de très très différent, et c'est une couleur vraiment magnifique. Et l'autre couleur est un mélange de chrome et de vert. Personnellement j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous les présente. Vous pourrez encore une nouvelle fois voter dans l'espace commentaire comme à chaque épisode. Je vous remercie une nouvelle fois, donc je l'ai fait sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre, donc tous les liens se trouveront dans la description. On vient de passer le cap des 50 000 abonnés, c'est-à-dire 50 000 personnes qui ont cliqué sur ce bouton, juste énormissime, merci beaucoup. Voilà, on vient de se rendre au Los Santos Custom, je vous jure, je suis vraiment ému, c'est vraiment énorme, 50 000 personnes, c'est waouh. Je ferai une vidéo vraiment pour parler de tout ça, mais bon, là c'est les couleurs classes. Donc pour la première couleur qui sera la couleur de Revenge, vous allez tout simplement vous rendre dans métallisé et aller chercher la couleur vert olive. Donc vous prenez la couleur vert olive, moi je l'avais loupé, je le cherchais. Elle est là, et avec cette couleur vert olive, vous allez tout simplement y mettre un nacré blanc givré, et après en couleur secondaire, Revenge a décidé de mettre du chrome, mais personnellement je trouve qu'avec le chrome ça rend vraiment pas très bien, mais je vais quand même le mettre, mais je pense qu'avec un petit mat bleu vert, un truc comme ça, ça rend vraiment super beau. Après moi je vous donne des idées, après à vous de les modifier selon vos goûts et vos désirs. Moi personnellement j'aime beaucoup avec le jaune et le orange. Même avec le vert, ça rend vraiment super bien. Mais pour faire franchement une dédicace à Revenge, je vais quand même mettre du chrome sur cette voiture pour vous montrer ce que ça donne avec le chrome et non pas avec la couleur que je préfère. Donc après, pour la couleur des jantes, bah, vous n'avez plus qu'à mettre un tout petit vert. Donc vous mettez le vert de votre choix. Personnellement, Revenge m'a conseillé de mettre un vert assez foncé, donc le vert olive. Mais personnellement, je trouve qu'avec un vert court, ça rend vraiment beaucoup mieux, étant donné que ça fait ressortir la couleur, parce que le vert olive est vraiment une couleur très très foncée. Donc là je vous montre un peu à quoi ressemble la couleur. Personnellement j'aime beaucoup, mais avec le chrome en couleur secondaire, c'est pas mal, mais vous pouvez mettre selon votre guise. Donc vous voterez un pour cette couleur dans l'espace commentaire comme à chaque épisode. Et maintenant on va passer à la couleur numéro 2, donc qui est une couleur qui a été trouvée par moi. Donc pour cette couleur, vous allez cette fois-ci vous rendre dans peinture, et cette fois vous allez aller dans mat. Vous allez prendre la couleur orange. Donc vous prenez la couleur orange et après vous faites le petit glitch afin de pouvoir mettre du nacré sur du mat. Donc c'est-à-dire que vous allez dans métallisé, vous ne prenez aucune couleur de métallisé, et après vous allez changer l'accessoire des pneus, et après bah, vous rendez dans couleur principale et vous allez sur nacré et vous pourrez mettre du nacré. Alors pour cette couleur, vous allez tout simplement mettre un nacré bleu ultra, et oui ça ne se voyait pas sur ma voiture, je vous l'accorde. Et après en couleur secondaire, vous mettrez tout simplement un mat violet, donc mauve shafter ou violet, et vous allez voir qu'en gros le violet va tout simplement se mettre sur le bleu, et en fait ça va faire une couleur bleu orange violet. Ça se voit vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment une couleur super classe. J'apprécie et j'aime beaucoup cette couleur. Et du coup, pour cette couleur, pour ceux qui la voudront, vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Et après, pour la couleur des jantes, vous mettrez tout simplement un violet. Donc voilà, je pense déjà avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait vraiment très très plaisir. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.